quelle est l'histoire de cet enfant, quelle est l'histoire de cette famille, comment, quelle est la place de cet enfant dans cette famille-là, quelles sont les difficultés que la famille et l'enfant ont pu traverser, quelles sont les ressources qu'ils ont pour pouvoir traverser des difficultés parfois très importantes, qui sont parfois liées au système familial nucléaire, au système familial élargi, mais aussi au système social dans lequel vit la famille. Donc il y a lieu de prendre en considération l'histoire de la famille, et parfois on se rend compte que l'histoire est émaillée de beaucoup de trous aussi, de difficultés à pouvoir se raconter, à pouvoir se dire. Et donc c'est tout un accompagnement aussi pour pouvoir remettre au fond l'enfant et la famille qui arrivent avec un symptôme, hein, ou un ensemble de symptômes, et bien de pouvoir au fond remettre cette difficulté-là dans une perspective narrative, c'est-à-dire on invite la famille et l'enfant à se raconter, à prendre le temps, à pouvoir se raconter. Et du coup, le symptôme n'est plus là comme le seul élément prioritaire autour duquel on parle. Il est une pièce d'un puzzle, beaucoup, beaucoup plus large. Et l'ensemble du puzzle est important. Chaque pièce du puzzle est importante. Et donc, à ce moment-là, on ne peut que prendre son temps et être dans le respect le plus complet de chaque pièce du puzzle que nous amène la famille. Et de respecter également la temporalité de la famille et l'enfant pour pouvoir apporter les pièces du puzzle. Et ne pas être dans des a priori ou dans des idées qui seraient qu'au fond, la famille fait de la rétention d'informations ou ne veut pas raconter. Il y a une temporalité à respecter. On ne se raconte pas à n'importe qui, n'importe comment. Voilà. Et donc je reviens toujours sur quelque chose qui me semble pour moi fondamental, c'est vraiment de pouvoir prendre le temps pour que ce lien entre le pédopsychiatre, le thérapeute se mette en place pour que ce volet-là du travail puisse avoir la chance de se mettre en place. Alors on peut le dire autrement, il faut prendre soin de la relation avant, je dirais, de prendre soin du symptôme, hein, et prendre soin de la relation, eh bien ça va mettre en place un type de transfert, un type de relation particulier. On sera à une place bien particulière pour cette famille-là, pour cet enfant-là, et à partir de cette place-là, eh bien, on pourra être au travail avec cette famille-là et avec cet enfant-là.